Allô les coquelicots, j'espère que vous allez bien et que toute votre famille va bien. Je sais qu'on est en train de vivre une période très difficile en ce moment. On aimerait ça que tout s'arrête et qu'on recommence comme avant. Recommencer toutes les activités qu'on aimait. Revoir toutes les personnes qu'on aime, hein, les personnes de notre famille qu'on ne peut pas voir en ce moment. Des amis qu'on aime vraiment beaucoup. Puis surtout, surtout nos professeurs de gymnastique. Mais comme on te dit et qu'on t'a répété souvent ces derniers temps, il faut être courageux. Puis ça, je sais que tu es capable de l'être. Okay? Parce que je t'ai vu dans le gymnase, je t'ai vu quand ton coach te demandait des exercices super difficiles, soit en gymnastique, soit en musculation, en flexibilité, puis qu'il fallait vraiment beaucoup de persévérance pour le réussir, puis qu'au final, tu l'atteignais, ok? Puis tu savais au fond de toi que cet exercice-là allait t'aider à devenir meilleur, ok? Puis atteindre tes objectifs. Donc c'est la même chose ici, il faut qu'on respecte tes consignes. Puis comme ça, on va pouvoir protéger les gens qu'on aime. Puis surtout, on va pouvoir se voir plus vite! Yeah! OK? Donc d'ici là, amuse-toi dehors. Cours, fais de la trottinette, du rollerblade, du vélo, du skateboard, de la corde à sauter, ce que tu veux. OK? Parce que là, j'ai pas envie que tu reviennes au gymnase, là, puis que tu saches juste rouler comme une grosse patate. OK? Donc, j'ai hâte de te revoir. Puis fais attention à toi, puis à toute ta famille. Je t'aime fort. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien puis que vous profitez de la quarantaine pour vous amuser, pour vous reposer puis pour passer des beaux moments avec votre famille. C'est important, profitez-en. Pour ceux que leur anniversaire était en avril, je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Vous avez quand même grandi d'un an, c'est pas rien, donc bonne fête. Puis prenez soin de vous parce que vous me manquez énormément. Puis j'ai vraiment hâte de vous voir, donc prenez soin de vous pour revenir en forme. Puis j'espère à bientôt. Okay, bonjour mon groupe de parents-enfants et mon groupe de petits bourdons. Je voulais juste prendre un petit 2 secondes à vous remercier et de vous dire de rester dans vos maisons et de laver vos mains et rester énergétique et ça va bien aller. Allô gang, c'est Jean-François. J'espère que vous allez bien puis juste vous dire que j'ai vraiment hâte de vous voir. Puis continuez à faire de l'exercice quand même, même si on n'a pas de gym en ce moment. Salut la gang, c'est Jackie, j'espère que vous allez bien. Je m'ennuie beaucoup de vous, je pense souvent à vous. Puis je suis vraiment fière de vous, je sais que vous faites votre musculation à tous les jours, donc c'est super, lâchez pas. Ça peut être plus difficile par moment, mais on n'a aucun contrôle sur la situation, donc on peut juste rester positif. Vous êtes bon, vous êtes beau, vous êtes capable. On va passer au travers. Puis j'ai vraiment hâte de vous revoir. Allô tout le monde, c'est Juliane. Je voulais vous dire que je m'ennuie beaucoup de vous. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire un gros on lâche pas, ça va bien aller, puis j'ai hâte de vous revoir. Salut la gang, c'est Céleste. J'espère que vous allez très bien. J'ai hâte qu'on se revoie et n'oubliez pas tout ce qu'on a appris. Bonjour tout le monde, c'est Karina du groupe Excellence. J'espère que tout le monde va bien. Que vous profitez de ce temps de confinement pour aller jouer dehors, vous amuser. Nous, on a vraiment hâte de vous revoir. On a hâte d'être de retour au gymnase. J'espère que vous aussi. Fait qu'on lâche pas, ça va bien aller! Salut gang! J'espère que vous allez bien malgré les circonstances, puis que vous prenez soin de vous et que vous prenez le temps de faire des activités que vous n'avez jamais le temps de faire normalement à cause de l'école et toutes les choses de la vie quotidienne. Moi, en tout cas, j'en profite, puis je m'occupe à faire des choses que j'ai tout le temps voulu faire, puis que j'ai jamais le temps, comme dresser mon chat. Blue, couche. Bravo! Blue, reste. Bravo! J'en profite aussi pour m'entraîner un peu. Je prends beaucoup de temps aussi pour apprendre à danser. Je passe également beaucoup de temps avec mon chum. Non, je fais des farces, mais prenez vraiment soin de vous. Puis, on a vraiment hâte de vous revoir la prochaine saison. Puis, lavez vos mains. Salut tout le monde, c'est Charles.
J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en santé. C'est juste pour passer un petit message à mes athlètes de Saint-Bruno pour leur dire que je pense à vous, puis j'ai hâte de vous voir très bientôt. All right, ciao! Allô à toute la famille Virtua, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Audrey, j'aimerais faire un petit allô spécial à mes groupes, défi 8 heures, mini relève. J'espère que vous allez tous bien, on a tous hâte de revenir faire de la gymnastique avec vous dans le gymnase. J'espère que ça arrive bientôt. Profitez de ce moment de confinement-là pour être avec votre famille, profitez des beaux moments que vous pouvez avoir à ce moment-là, profitez des moments aussi que vous pouvez avoir avec vous-même pour vous découvrir, puis on en profite à fond pour ce moment-là. À bientôt! Allô à mes athlètes préf et aux parents. Je m'ennuie vraiment de vous puis de vous voir au gym. J'ai hâte qu'on s'y retrouve et qu'on fasse plein de nouveaux mouvements. Parce que moi et Sarah, on a hâte, puis j'espère que vous allez bien puis que vous êtes en santé. Puis restez chez vous! Mais gardez votre forme, là, on a hâte de vous voir. Salut la gang, c'est Ben. Je voulais juste vous dire que vous me manquez beaucoup et que j'ai très hâte de vous revoir. Allez courir, allez marcher, faites du conditionnement physique, on fait sa flexibilité à chaque jour. On reste très actifs, mais surtout, soyez très prudents en cette période très intéressante. Donc, on se voit bientôt et à la prochaine. Bye bye! Salut tout le monde, je prends un petit minute pour vous dire que je m'ennuie, j'ai hâte que la gym recommence. Faites attention à vous. Bye! Salut tout le monde, c'est Isa. J'espère que vous allez super bien malgré des circonstances un peu inhabituelles. Bien évidemment, vous manquez énormément et j'ai super hâte de vous revoir et de recommencer à vous coacher. Mais pendant que vous avez plein de temps à votre disposition, profitez-en pour pratiquer vos moves TikTok, aider vos parents, ranger votre chambre, apprenez à faire la vaisselle, à cuisiner, prenez des marches, jouez avec votre chat. Les possibilités sont infinies. Donc j'ai super hâte d'entendre ce que vous avez fait pendant votre quarantaine et j'ai bien hâte de vous revoir. À bientôt. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. On a vraiment hâte de vous revoir au gym. J'espère que vous prenez du temps pour vous reposer, puis surtout pour essayer de nouvelles activités, que ce soit créatif, faire de la danse, faire de la peinture. S'il faut même apprendre des nouvelles danses TikTok. On a vraiment hâte de vous voir au gym pour que vous nous montriez le tout. Puis en attendant, faites attention à vous, blessez-vous pas. On a vraiment hâte de vous revoir. Fait que bonne journée la gang! Salut la gang virtuose, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du moment de confinement pour vous reposer, du temps famille, aller jouer dehors, donc réparer les bobos, on va revenir en force, ça va bien aller.